Voilà, donc dans la dernière formation, si vous vous rappelez, nous sommes restés ici avec une page de login où on peut saisir un identifiant, un mot de passe, on valide et on arrive sur une page de connexion, mon compte par exemple. Cependant, il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas très satisfaisant. C'est que ici, nous avons toujours un bouton qui dit connectez-vous. Et qui va nous ramener vers la page de connexion, de login, alors que nous sommes déjà connectés. Ça, ce n'est évidemment pas satisfaisant pour nos scénarios. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore utiliser les panneaux dynamiques pour changer l'état de ce panneau à partir du moment où on s'est connecté. Pour le faire, on va mettre en œuvre plusieurs techniques qui sont, je dirais pas sophistiquées, mais qui sont un peu différentes. Donc, il faut bien s'accrocher pendant cette petite formation. Alors, vous avez déjà vu l'idée d'un panneau dynamique. Donc, c'est une partie de l'écran qui peut avoir des états différents. Eh bien, la conclusion assez logique, c'est que cette partie de l'écran ici, qui contient le bouton connectez-vous, on va le convertir en panneau dynamique et on va le donner deux états, l'un où il est déconnecté et l'autre où il est connecté, où on va afficher par exemple un bienvenue à l'utilisateur avec son nom de compte. Donc comment on va faire ça? Revenons dans Axure. Bon, la première chose, c'est que vous vous rappelez que si je regarde par exemple sur la page d'accueil, je regarde un peu à droite, eh bien tout ça c'est en rouge ici, ici, ça fait partie du maître. Je ne peux pas le sélectionner. Donc déjà pour faire mes modifications, il va falloir que je parte dans le bandeau maître pour travailler sur mon panneau dynamique. Alors évidemment, ça a le grand avantage que à partir du moment où j'ai fait la modification dans le master bandeau, eh bien cette même modification va se répercuter sur toutes les pages de mon site. Je n'ai besoin donc de le faire une seule fois. Alors, pour commencer donc, je sélectionne mon bouton de connexion. Et je vais le convertir en panneau dynamique. Je clique droite. Et vous voyez tout en bas ici, j'ai l'option convertir en panneau dynamique. Je clique là-dessus. Et tout d'un coup, j'ai un nouveau panneau dynamique avec un état qui est l'état existant du bouton. Bon, je vais lui donner un nom un peu plus significatif. Donc on va l'appeler connexion, par exemple. Et cet état-là, évidemment, ce sera l'état déconnecté, puisqu'on offre un bouton de connexion. Alors, première chose, c'est que si je veux afficher les détails du compte et tout le reste, c'est évident que l'espace qui est pris par ce bouton sera inadéquat. Donc, je vais quand même agrandir un peu la taille du panneau dynamique, comme ça. Je le passe sur une colonne de plus, peut-être. Et je vais ajouter maintenant un nouvel état en cliquant sur le bouton là. Connecter. On va réarranger ce bouton pour le mettre un peu au milieu plutôt. Et maintenant, l'état connecté, qui pour l'instant est vide, on va juste mettre l'identifiant du compte. Bon, ben c'est tout simple, on va mettre un petit libellé.
on duplique, juste parce que je suis feignant. Ça, j'ai pas besoin de dupliquer les caractéristiques. On va faire plus grand parce qu'on va afficher le nom de l'utilisateur. Voilà. Alors, quelques petits points. Alors, vous vous doutez que moi, je ne suis pas un grand fortiche de grammaire français. Cependant, je pense que bienvenue au masculin avec Madame Dupont au féminin, probablement ce n'est pas approprié. Ça, c'est le genre de détail sur lequel on va pouvoir travailler par la suite, si on veut être un peu plus sophistiqué. Mais pour l'instant, on va rester au plus simple et on va juste se satisfaire d'un état connecté et déconnecté. Voilà. Donc, maintenant qu'on a nos deux états, on peut fermer pour gagner un peu de place. Comment va-t-on faire pour changer de déconnecté en connecté? Eh bien, logiquement, on va revenir sur la page login. On va cliquer sur valider. Vous vous rappelez que nous avons le cas de figure où ça s'est bien passé. Et donc, on ne va pas simplement ouvrir la page 2 en fenêtre actuelle, on va aussi définir l'état du panneau. On va dire que le panneau qui s'appelle connexion et qui se trouve dans le bandeau, eh bien, on va passer en connecté. Alors ici, je vais vous indiquer une astuce. Alors ça, c'est le genre de choses, j'insiste, parce que je me suis cassé la figure dessus maintes fois moi-même. Vous voyez qu'automatiquement, la nouvelle action est placée en dessous. Cependant, si on laisse les choses en état, cette action-là ne s'exécutera jamais, parce que la condition sera satisfaite, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle page. Une fois qu'on est sur la nouvelle page, ben on ne risque pas d'exécuter quelque chose qui est défini sur la page login. Donc ça ne marchera jamais. Il faut donc que je déplace l'action vers le haut pour que ça fonctionne. Maintenant, c'est bon. On va voir si ça marche. On se connecte, on met notre identifiant, notre mot de passe, on clique sur valider et rien. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y avait une flash de notre nouvel état connecté qui est tout de suite disparu. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que les états des panneaux ne sont pas portés d'une page à une autre. Donc, on a bien changé l'état du panneau sur la page de login, mais vu que tout de suite on s'est déplacé sur la page 2, eh bien, cet état a été perdu parce que la page 2 ne sait pas ce qu'il y avait sur la page de login. Comment on va faire pour dépasser ce problème? Eh bien, c'est là qu'on va se mettre à utiliser les variables dans Axure. Voyons voir comment ça marche. Première chose, ici, je vais changer quelque chose là. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on va l'enlever. Et à la place, on va définir la valeur de la variable. Alors, encore une fois, n'oubliez pas les variables, c'est pareil que pour les panneaux dynamiques. Si vous le laissez là, eh bien, ça ne s'exécutera jamais parce qu'il va passer d'abord en page 2, donc on va le monter. Et maintenant, eh bien, on va définir une variable. Et la variable va nous permettre de créer une condition qui va passer d'une page à une autre. Alors, la variable de surchargement, ça c'est quelque chose qui est là systématiquement que vous pouvez utiliser si vous n'avez besoin que d'un seul variable. Personnellement, moi j'aime toujours mieux
donner mes variables non significatives. Et donc, je vais ajouter une variable que je vais appeler connexion, pourquoi pas. Connectivité, peut-être, comme ça on arrive à distinguer un peu des autres choses. Connectivité. Ah, non, il ne veut pas que je mette des accents. Ça, c'est un petit truc. Un petit truc avec les nombres de variables. On n'aime pas les accents, donc connectivité comme ça. Et on va lui donner une valeur par défaut qui est faux. Donc, à partir du moment où on se connecte, on va définir la valeur de connectivité et on va dire qu'il est vrai, impeccable. OK. Bon, ça c'est très bien, on a défini une variable, mais ça, pour l'instant, ça ne fait rien. Comment on va faire? Eh bien, rappelez-vous quand ici en bas, vous avez un cas de figure qui s'exécute au moment du chargement d'une page. Eh bien, il se trouve, bien heureusement, que dans les masters, on a la même fonctionnalité et on peut donc appliquer ça au master. Donc, je reviens dans le bandeau. Je vais sur page chargée. Je double-clique. Et je vais dire que si connecté, eh bien, je vais ajouter une condition. Et donc, la condition cette fois-ci, c'est la valeur de la variable connectivité est égale à vrai. À ce moment-là, on va définir l'état du panneau de connexion en connecté. Et avec un peu de chance, eh bien, maintenant, ça va fonctionner. On va regarder comment ça marche. Et voilà.